c'est compliqué, c'est compliqué. Vous avez vu, vous êtes venu dans ma tête, vous êtes reparti. Hein. C'est pas le meilleur endroit pour prendre des décisions, je peux vous le dire. Bonjour à tous et bienvenue sur le... J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je ne sais pas. Je viens d'avoir un petit moment de panique. Je ne savais plus quel jour on était. Je me suis dit, c'est quand le 24 au fait? C'est la semaine prochaine? Non, c'est la semaine d'après. Oh my god. Je vais juste arranger ma lumière parce que j'aime pas trop. Attendez, bougez pas. Je sais pas si ça a changé grand chose. J'ai l'impression que c'est un peu plus... Il y a un truc dans le nez encore. Putain. Je pense que c'est mieux. Mais bon. Je sais plus où j'en étais. Je disais donc, j'ai eu un coup de panique. C'est ça. Un coup d'amour, un coup de je t'aime. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un look inspiré de ce super Shock Shadow qui s'appelle School Bus de Colourpop. Voilà. On va utiliser ça avec des produits pas forcément nouveaux. J'ai eu beaucoup de feedback de votre part. Donc, de toute façon, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aimez ce style de vidéo. Si ça n'est pas le cas et que c'est la première fois que vous regardez ce style de vidéo, bienvenue. Ici, on aime créer avec du maquillage neuf ou vieux, finir du maquillage, utiliser nos produits le mieux possible. On aime en acheter, mais on aime aussi les utiliser. Je qualifierais cette chaîne de ça. Passion de la couleur et de la créativité. Voilà, voilà. Donc, bienvenue à vous. Il n'y a pas de S. Non. C'est pas la chaîne dans laquelle on parle bien. C'est pas la chaîne la plus articulée, la plus professionnelle. Mais on s'amuse et on passe un bon moment. N'est-ce pas l'essentiel? Si, voilà, c'est bien. Alors, on va utiliser la palette Boss Mood de Morphe, qui n'est pas nouvelle et je pense qu'il n'existe plus. J'étais à ça ce matin d'acheter la Desert machin là. Parce qu'ils sont à moins 50% sur le site de Morphe. Le seul truc, c'est que ben, le shipping gratuit, c'est 60$. Mais j'ai payé un shipping en plus. J'ai laissé tomber. Parce que je voulais prendre la Mickey et elle. Mais la Mickey n'est pas soldée. Mais écoutez, bref. Il faut que je réfléchisse avec ma tête aussi des fois. C'est pas facile. Ok, alors je voulais travailler avec ces violets un peu. Un des deux noirs, je les ai swatchés, je vois pas trop la différence entre les deux noirs pailletés. Là il y a un noir mat, mais ces deux là, je ne sais pas trop quelle est trop la différence. Je pense qu'il y en a un qui est un peu plus bordeaux et l'autre un peu plus violet, mais comment vous dire, lequel est lequel, je ne sais pas, dur à dire hein. Oui. Je vais commencer par cette couleur là. Que fais-je? Non, je vais commencer par le noir mat, tiens. Oh, écoutez, c'est très difficile ce matin. Est-ce que je commencerai pas... J'ai envie de faire un sandwich, en fait, le truc. Pas me manger. Mettre ça d'abord. Mettre le noir pailleté par-dessus, histoire que ça adhère bien. Et ensuite, remettre ça par-dessus. Au centre seulement. Mais le truc, c'est que j'ai envie d'utiliser les autres couleurs. Comment faire si on y va juste sur un look bleuté? Ça va être compliqué, on pourra pas utiliser toutes. Donc on va utiliser... Bon, allons-y pour le sandwich. Hein. C'est compliqué, c'est compliqué. Vous avez vu, vous êtes venu dans ma tête, vous êtes reparti. Hein. C'est pas le meilleur endroit pour prendre des décisions, je peux vous le dire. Bon. Je prends le Super Shock Shadow. Vous pouvez prendre n'importe lequel. Hein. Il y en a beaucoup qui se dupent eux-mêmes. Hein. Moi, j'aime bien les appliquer en premier avec le pinceau. Celui-ci n'est pas pailleté. Oh, vous savez pas, hier, j'ai fait la vidéo. J'ai un bobo. C'est chic. Vous savez, j'ai fait la vidéo tri de mes gloss hier. Puis je vous disais que j'avais loupé le kit Buxom des fêtes. Juste après la vidéo, il est arrivé sur Sephora.
Je l'ai pris direct. Je me suis dit, non, non, tu partiras pas deux fois. Même trois fois, j'ai essayé de l'acheter. C'était un échec. Donc, je l'ai pris. Voilà, je l'attends. Je suis pas pressée. Comme vous avez vu, j'ai de quoi faire. C'est pas un gloss périmé qui fait ça. J'espère pas. Ah oui, je suis bête. Je me suis dit, tiens, puisque je vais utiliser ma rotation du moment, je vais utiliser les pinceaux billets cosmétiques. Pourquoi pas? Il n'y a pas beaucoup de pinceaux différents pour les yeux, mais j'en ai deux au moins. On pourrait les essayer. On va faire ça. Je vais prendre lui. Il est beau. J'ai trouvé sur Beauty Bay pas cher, pas cher. Je l'ai traqué un petit moment. Hein. Bon, je vais d'abord commencer par... Est-ce que d'abord je mets le noir? Oui, je vais d'abord mettre... Je vais d'abord mettre ça, mais pas avec ce pinceau du coup. Est-ce que t'as réfléchi à tes choses? Non, pas du tout. Voilà. Mais en tout cas, mes pinceaux sont tous propres. Et ça, c'est la préscience. Allons-y, ça aussi c'est... C'est un BH Cosmetics. Bon, c'est quoi cette couleur? On va essayer de recouvrir. On dirait un noir satiné un petit peu violet, mais pas trop quand même. C'est pas grave, ça me dérange pas. Vous savez pas quoi? Mes views sont en chute libre. C'est pas grave. Je peux me permettre en ce moment de faire ce que j'aime. Donc, on va le faire, d'accord? C'est quand même plus agréable de faire ça que de faire des palmarès tout le temps. J'aime beaucoup faire des palmarès. Ne vous méprenez pas. Mais parfois, tu te dis j'aime le make-up. J'aimerais bien l'utiliser. Donc, voilà. Après, c'est sûr, on peut comparer le make-up, trier, dire lequel est le meilleur, nanana. Oui, aucun problème. Mais aussi, surtout que, tu sais, quand tu fais des vidéos de palmarès et tout ça, il faut que tu ressortes les produits, tu te dis bon je vais comparer ça à ça et ça c'est pas pareil. Ça me saoule en fait. Parce que moi tout est rangé, j'ai pas envie de tout déranger et tout re-ranger par la suite. Je suis un paradoxe. Mais c'est pas grave, je m'aime comme je suis. Je vais prendre cette couleur là, le violet mat très très foncé et je vais prendre finalement ce pinceau de Beach Cosmetics. Quand c'est 18, ça fait Beach. Et je vais estomper. Vous avez des plans pour le nouvel an? Je dois vous dire que d'année en année, c'est plus difficile pour moi de faire des plans de nouvel an parce que je suis fatiguée. Il faut que je fasse une grosse sieste avant. Il y a encore des gens qui vont danser pour le nouvel an. Je me rappelle que quand j'étais petite, c'était comme un prérequis. Tu vas pas danser, ça c'est jusqu'à mes 14 ans à peu près. Non, même jusqu'à ce que je rencontre Mathieu. Si tu vas pas danser, c'est la loose. Oh, ça me manque pas tellement de pas aller danser. Enfin, j'aime bien ça, hein, mais je suis plus genre, bah si on fait une raclette avec les potes, c'est bien aussi quoi. Une raclette au foie gras, vous voyez. Une raclette chic. Du coup, on faisait ça avec Mathieu, on faisait des repas et tout. Le problème, c'est quand tu manges, tu bois et à 22h, tu veux dormir. Donc, tu manques le bon ami. Mais bon. Ok, donc ce violet, c'est bien parce qu'il se voit pas trop trop. On veut quelque chose de subtil qui ne monte pas trop. Et on veut un dégradé qui se fasse bien. Donc, je vais prendre ce violet là. Hier, j'ai fait un petit quiz sur Instagram. J'ai pris un screenshot. Littéralement. J'ai pris une photo de ma télé.
Et j'essaie de vous faire deviner qu'est-ce que je regardais comme film de Noël. Personne n'a trouvé. Et tout le monde m'a dit Home Alone. Ou Maman, j'ai raté l'avion. Et bien sachez les amis que je déteste ce film. Je l'ai toujours détesté. Voilà. Donc c'était pas ce film. Regardez Die Hard. Parce qu'on m'a dit il faut que tu regardes Die Hard juste après Love Actually parce que c'est là que Alan Rickman paye pour ce qu'il a fait Emma Thompson. Et j'ai fait comme c'est une trop bonne idée. Et j'avais tellement sommeil les amis. Mais j'ai lutté pour voir le moment où Alan Rickman il tombe dans le vide. Ça m'a fait trop du bien. Bref. Mais j'avais regardé aussi le documentaire sur Netflix qui s'appelle The Movies That Made Us au sujet justement de Die Hard. Et la scène où il tombe, Alan, notre pote, feu, pote, elle a été filmée et c'est vraiment de la peur parce qu'il est tombé. Sans savoir que les gens ils le faisaient tomber en fait. Ils ont lâché la corde et tout, mais ils savaient pas que c'était son moment. Donc la peur que vous voyez dans son visage quand il tombe, c'est de la vraie peur. C'est de la surprise. Parce que ben ils savaient pas. Vous avez appris quelque chose, j'espère. J'enlève un petit peu les chutes. J'essaye de pas trop. Quand tu utilises des bleus et tout ça, personnellement, moi, c'est le moment où j'en fous partout et après ça, c'est incontrôlable. Donc, j'essaye d'enlever les chutes le plus souvent possible pour avoir meilleur contrôle. Je prends ce pinceau où il n'y a rien dessus, j'estompe juste le haut. Pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Si après je trouve qu'il y a trop de démarcation, je prendrai une poudre, ma poudre libre, ma poudre pressée là. Vous savez que j'ai toujours pas essayé le Brow Freeze d'Anastasia. Je l'ai, il est là, il me regarde, il me dit tu m'utilises quand, je me sens pas prête. Voilà, je reprends le Super Shock Shadow au doigt. Et je vais appliquer ça au milieu. Bah c'est pas top top ça. Ça manque un peu de fantaisie. Hein. Oh j'ai un plan B, attendez. Oh attendez, j'ai un super plan je pense. J'ai un fard Bernovich qui attend juste d'être testé. Alors oui c'est beau. Est-ce que c'est assez pailleté et tout ça? Non, je pense qu'on peut utiliser un autre fard par-dessus. Donc c'est bien parce que tu peux en mettre encore plus. Mais quand même, ça donne une super jolie brillance, un super joli reflet. Qui fit avec le reste du make-up, hein, c'est ce qu'on aime. Déjà. C'est pas si mal. Donc voilà. Est-ce que le fard pailleté en valait vraiment la peine? Celui de Morphe. Pas tellement. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé là. C'est les catacombes, attendez. Je sais qu'on dit pas les catacombes. Laissez-moi quoter les gens de la télé-réalité, s'il vous plaît. Ça a l'air d'être mieux. C'est mieux. Ok. Je vais prendre un fard de Bernovich. Attendez. Qui s'appelle X49. Si je me rappelle bien, c'est un espèce de truc rose, gold, blanc. Je vais vous le montrer. Je trouve que ça irait bien avec, non? Presque un peu lilas. On va essayer ça. C'est parti. Je vais prendre un pinceau siliconé. Oh, cette fois-ci, j'attends pas un.
Je passe directement par ce qu'il connaît. Je sais que ça va pas être pareil. C'est trop beau. Voilà qui est mieux. J'aurais pu prendre Kat Von D, hein, mais lui était à côté, puis ça fitait parfaitement. C'est ça que je dis, utiliser les choses qu'on a, mais faire des petits ajouts aussi, ça peut être super cool. Juste pour... Comment dire? Avoir une nouvelle version des choses. Je suis fan. Trop jolie. Ça fait toute la différence. Bravo Danisha, merci pour tes super bonnes idées. Merci Bernaud, hein, pour ta participation. On aime ça. Ok. Laissez-moi faire mes sourcils, mon fond de teint. On revient pour la suite avec les produits de ma rotation toujours. Je veux retester ça parce que je suis pas sûre que j'aime en fait. Quand je l'avais mis c'était beau, mais quand j'ai regardé au moment d'éditer, j'ai vu que ça avait pas très bien appliqué. Du coup je vais appliquer au doigt peut-être, on verra bien. On verra bien. Je me suis pas coiffée. J'ai les cheveux mouillés, je les ai juste démêlés. J'ai fait une natte, j'ai mis un certain... Ça va faire la blague. Non mais attendez, il faut que je vous dise un truc. Pendant que j'étais en train de ranger, pas ranger, de recharger ma pile, je me suis dit, tiens, ça va être quoi le prochain fard Bernovich que je vais mettre? Et là, je tombe sur ça et je me dis, je peux pas attendre une autre opportunité que de le mettre aujourd'hui. Alors certes, ça ne va pas être un violet froid, je pense, au final. Et le super choc va complètement disparaître, mais attendez, je suis tombée là-dessus. Je me suis dit, ça fitterait, mais parfaitement avec mon look. C'est violet et bleu. Mettons ça au milieu. Je mettrai les informations dans la barre d'infos, bien sûr, si ça vous intéresse, parce que les noms, il n'y a pas de nom, il n'y a que des chiffres. C'est exactement ce que nous voulions. Alors, j'ai déjà mis mon mascara, encore une fois. Je dois faire attention. Ah ouais. Hein. C'est très différent. De toute beauté. Alors, c'est un peu plus électrique que le départ. Hein. Mais écoutez, c'est magnifique. Je ne pouvais pas passer à côté de cette opportunité. Je recherche Saint-Antoine. Ah, merci Saint-Antoine. Je me demande si avec le pinceau siliconé ça va être mieux que mes doigts. Non. On fait pas mal le même travail. Ben voilà, ça change tout. Alors en bas j'ai mis juste du mascara. Je me suis dit c'est bien comme ça. Effilé, évasé, remonté. Ce qu'on aime. Je vais mettre mon blush. Le Tower 28. Qui s'appelle Magic Hour si je ne m'abuse. Avec ce pinceau. Je suis en train de regarder The Great sur sur Prime. C'est génial cette série. C'est sur Catherine the Great de Russie. Mais version satirique. C'est tellement drôle. Et là je me dis ça fait un look un peu russe, non? Je trouvais que ça ressemble un peu. Ok. Je vais prendre mon premier bronzer. Celui de... Jacqueline, l'ami Jack Attack, et je vais essayer de le mettre correctement. J'ai un cheveu quelque part,
qui... Ah, c'est un poil de chouchou. Alors je sais, j'aurais peut-être pas dû me coiffer avant de mettre mon bronzer, mais écoute, j'étais partie. Je vais prendre un pinceau avec rien pour l'estomper. Ensuite, je vais poudrer mon visage avec ma poudre habituelle. Je check quand même. Autour des yeux. Reste du visage. Je vais mettre mon bronzer poudre de ELF. C'est plus facile à prélever avec un pinceau un peu plus pointu. Et c'est pour ça que je fais jamais mes sourcils. Je vais refaire mon sourcil. Non mais d'habitude je mets de la poudre et tout pour pouvoir le tenir, hein, mais là je vais nulle part donc j'ai pas mis. Du coup le Bang & Brunette c'est pas le truc le plus waterproof du monde, hein, donc voire pas du tout. J'appelle le Bang & Brunette mais c'est le bro je sais pas quoi de Colourpop. Où est-ce qu'il est? Je ne peux pas continuer comme ça de la sorte. Je vais devoir encore le faire. Saint-Antoine, s'il te plaît. Merci. C'est mon BFF. Voilà. Et là, je vais prendre le truc de Morphe et je vais essayer de le mettre au doigt. Ça m'embête parce que c'est très joli. Mais j'avais l'impression... la dernière fois que ça avait soulevé toute la matière. C'est sa seconde chance, on verra bien. Après, c'est peut-être mieux quand on n'a pas un full face de make-up. Je pense pas que ce soit fait pour avoir un full face de make-up, mais je vois qu'il y a une démarcation ici. Mais c'est rare que je me maquille si j'ai pas un full face, c'est tout ou rien. Je verrai bien. Suite et fin. Ensuite, de ma rotation make-up, je vais sortir un Everlasting Love. Open up your eyes. Les lipsticks de Kat Von D qui s'appellent. Je voulais créer un bar d'infos, je vais faire une recherche. Ok. Je me suis dit que ça irait bien avec. Ça va, ça fit avec. C'est pas une moche couleur, hein. J'aime bien, moi. Ok. Et je voulais aussi tester cet autre produit de ma rotation, qui est le gloss de Huda Beauty. Je me suis dit que ça serait parfait avec. Couleur... hypnotique, si je ne m'abuse. Je sais pas, je suis pas très fan de ce style de gloss en général, mais je suis fan de garder mes produits. Très chouette. What? Oh, j'aime bien. Et voilà, ce look est terminé. J'espère que vous avez fait des découvertes, que ça vous a inspiré peut-être un petit peu, je ne sais pas, un look un peu plus lila. Du coup tout va bien ensemble. Oh, on est pas trop contents. Sur ce, je vous retrouve demain pour un déclateur de eyeliner. J'espère que vous allez être là. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye.